abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Depuis la rentrée de janvier 2021, Marie-Sophie Lacaro est la nouvelle tête du JT de 13h de TF1. Elle a remplacé Jean-Pierre Pernaut qui, après 33 ans de bons et loyaux services, a décidé de quitter la présentation du journal. Et depuis son arrivée, Marie-Sophie Lacaro ne cesse de battre des records d'audience. Un choix judicieux donc de la part de TF1, mais qui n'était pourtant pas gagné d'avance. Et pour cause, la journaliste, qui a officié avant sur France 2, a hésité longuement avant d'endosser ce précieux rôle, comme elle le confiait dans le magazine Variation ce vendredi 13 août 2021, « J'ai immédiatement mesuré l'importance de la proposition. Je ne m'y attendais absolument pas », raconte-t-elle. « Toutefois, j'ai pris le temps de la réflexion. » La journaliste a ensuite expliqué ce choix, justifié par un manque de connaissance du JT de TF1, « Je ne pouvais pas le regarder puisqu'à la même heure, j'officiais sur une chaîne concurrente. J'ai voulu prendre le temps de regarder ce journal. J'en ai vu beaucoup en replay, et fatalement, j'ai mordu à l'hameçon, j'ai eu véritablement envie. » Dans la même interview, Marie-Sophie Lacaro a ensuite avoué qu'elle ne regardait pas tant la télévision. Préférant un autre média pour démarrer ses journées, mon premier réflexe au réveil est d'écouter la radio. Lorsque je suis en repos, je sais décrocher. Et décrocher, Marie-Sophie Lacaro sait le faire avec des plaisirs très simples, je fais beaucoup de yoga et j'essaie de passer le plus de temps avec ma famille. Juste me mettre sur pause et être auprès des gens que j'aime, par exemple. Et cela suffit amplement à mon bonheur. Il faut dire que la journaliste est très proche de ses deux enfants Tim et Malo et veille à ce que ces derniers soient bien éduqués. C'est sans aucun doute la raison pour laquelle elle a imposé une règle stricte. Elle leur interdit de regarder de la télé-réalité. Je fais en sorte que mes enfants ne regardent pas. Pour commencer, cela ne véhicule pas une image optimiste et encore moins à suivre. Assure-t-elle ainsi en précisant que la bêtise, elle, énerve à la télé. Du coup, je ne la regarde plus trop.